Salut, ici Francis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 100% guitare avec Francis, déjà rendu à la capsule numéro 4 de ma série apprentissage pour cet instrument merveilleux qui est la guitare. Alors voici, aujourd'hui on va parler de la gamme pentatonique. Donc gamme pentatonique qui est une gamme composée de 5 notes. Contrairement à une gamme qu'on a vue dans les autres capsules qui était composée de 7 notes. Donc, on avait vu la gamme de sol majeur avec son arpège, l'accord, et ensuite les gammes mineures, donc les trois sortes de mineurs, mineur naturel, mineur harmonique et mineur mélodique. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces capsules-là, vous allez les voir, capsule 1, capsule 2 et la capsule 3 que j'ai parlé la semaine dernière, je crois. Parle des accords, dans le fond, principaux, c'est-à-dire les accords majeurs, mineurs et septièmes, sur les bases sixième corde et cinquième corde. Donc, partout sur le manche. Donc, bien intéressant pour être capable de transposer rapidement. Maintenant, on s'attaque à une gamme qui a marqué l'histoire de la guitare et pour beaucoup de musiciens, ça a changé leur vie. Je parle, mettons, Rick Clapton, B.B. King, Jimmy Page, Carlos Santana, toutes des gens qui nous ont fait vibrer, nous donner le goût de jouer la guitare. Donc cette gamme-là a été beaucoup exploitée par ces guitaristes-là et a influencé des millions de personnes. Donc sans doute vous la connaissez déjà, mais on va la voir sur différents angles sur la guitare, c'est-à-dire qu'on va la voir la position principale que je pense qu'on connaît tous, ou bienvenue à ceux qui l'ont jamais. Mais c'est sûr que vous l'avez déjà entendu dans un solo ou quelque chose qui vous a marqué, que vous avez aimé, c'est sans doute. Donc c'est la gamme, je vais arrêter d'en parler, je vais vous la jouer. Sol mineur, pentatonique, donc c'est-à-dire... On l'a entendu en blues, dans le rock, on l'entend encore aujourd'hui dans plein de styles aussi. On l'utilise aussi en jazz. Donc, on va la voir ici. Donc, 5 notes à souvenir. Sol, si bémol, do et ré. Donc, nos 5 notes, ça va être nos 5 points de départ. Donc, chacune des notes va devenir notre nouveau point de départ. Donc, c'est-à-dire sol, si bémol, do, ré et fa. Donc, c'est vraiment comme des renversements. Bon, c'est toujours les mêmes 5 notes qu'on joue. Ce que ça fait, pourquoi je vous parle de ça ici, c'est que autrement dit, souvent on va parler, mettons, on fait un solo, où on va montrer la première gamme, qui est la gamme pentatonique ici, on est en sol. On est toujours dans la même position, c'est-à-dire, on va appeler ça des fois une boîte. On est comme pris toujours dans la même boîte. Ce que ça permet de faire, de connaître les différentes positions, c'est faire des liaisons, puis faire aussi... quelque chose peut-être de plus mélodique aussi. Des fois, notre oreille va nous dire... t'sais, de... on est toujours dans la même gamme, tu sais. Fait que ça va vous aider beaucoup dans votre façon d'improviser. Puis je vous suggère de le faire en le pratiquant. J'ai fait une backing track. Je vais mettre le lien aussi en bas de la capsule. Donc, une track d'accompagnement pour vous aider à intégrer ça à votre jeu. Pour être capable d'improviser avec les 5 inversions de la gamme mineure pentatonique. C'est sûr que c'est une gamme encore là. Transposable partout. Là, on la voit en position de sol. Mais très facile. Vous allez avoir les doigtés aussi. J'ai toutes les doigtés écrits aussi en tablature et en notation musicale. Le lien sera aussi disponible dans la description
à la fin de la capsule. Donc, voilà. Donc, j'y vais encore. Je reviens au doigté, dans le fond. C'est-à-dire, 1, 4. Je pars de sol en troisième position. 1, 4, si bémol. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Et on revient. Question de se mettre dans l'oreille la tonalité dans laquelle on est pour intégrer la gamme. Ensuite, j'y vais avec mon deuxième, c'est-à-dire ma deuxième inversion qu'on dit. Je pars maintenant de si bémol. Donc, si bémol qui est juste ici en sixième fret. On appelle ça en cinquième position. Mon premier doigt devient issu ici en cinquième position. Donc, premier doigt avec si bémol, do, ré, fa, sol, si bémol, do, fa, sol, si bémol. C'est toujours les mêmes notes que je viens de jouer. C'est juste comme l'extension, on va dire. C'est vraiment... Ça va vous permettre de faire des connexions avec vos idées et non d'être limité, d'être toujours dans la même position. Voilà. Donc, je vais avec le doigté. Je pars avec si bémol, donc ma deuxième inversion. 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4. 2, 4, et je reviens. 2, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2. Et si vous voulez, vous pouvez toujours venir résoudre à notre fondamental, qui est le sol. Donc, je suis toujours dans les mêmes notes. J'y vais avec ma troisième inversion. Donc, on est parti de sol, si bémol, do. Notre troisième inversion. Donc, Do, on va être en huitième position aussi, huitième fret, huitième case, appelez-les comme vous voulez. L'important, c'est qu'on soit au bon endroit, c'est-à-dire sur le Do. Donc, je continue toujours dans le même ordre. Hein? C'est toujours Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa, Sol, Si bémol, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je suis rendu au Do aussi. Donc, huitième fret, Do. Do, Ré, Fa, Sol, Si bémol, Do. Ré, Fa, Sol, Si bémol, Do, Ré. Et je reviens. J'y vais avec le doigté. Je pars en huitième position. Donc, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Je m'en vais ici en septième, le temps de note. Le Ré, Fa, en 1, 3. Vous pouvez le faire avec un 4 si vous voulez. 4, 1, 3. Je reviens. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. J'étais sur mon Do, si bémol, sol. Oh, ça commence à être intéressant. Donc, on a trois endroits pour faire la même gamme, les mêmes notes. Fait que ça nous donne des possibilités de... Après, je vous propose, si vous voulez, quand vous allez la pratiquer, de la voir sur une corde à la fois aussi. Oh, là, ça devient intéressant. Puis après, vous allez pouvoir intégrer des bends que vous aimez. Un ton, demi-ton. On verra ça dans une autre capsule. Mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire. Il n'y a pas vraiment de limite. Et en voyant d'autres positions, ça vous permet de découvrir votre manche de guitare en même temps. Donc, on était rendu à mon quatrième point de départ, c'est-à-dire mon Ré, quatrième note. Donc, Sol, Si bémol, Do, Ré. On part toujours de ça. Donc, Ré, on est rendu ici en dixième position, dixième fret. Et... Vous voyez, ça sonne toujours la même chose. C'est les mêmes notes. Donc, ça donne
ré, fa, sol, si bémol, do, ré, fa, sol, si bémol, do, ré, fa. Le doigté. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, et je reviens. 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1. Et là, on va les résoudre sur notre sol. Do, si bémol, sol. Perdez jamais de vue l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire notre sol. Et justement, ça me fait penser, celle qu'on vient de faire, la quatrième inversion, ou si vous voulez, le quatrième point de départ de notre gamme mineure pentatonique, super important. C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire la connexion entre la première que vous allez apprendre, c'est-à-dire notre doigté de base qu'on connaît. Avec pourquoi? Parce que dans le fond, on va aller chercher notre accord. Donc, on connaît ici notre accord, donc sol mineur 7. Et on va chercher basse cinquième corde, sol mineur 7 aussi, qui est quand même assez commun. Donc, vous avez la fondamentale ici, déjà de votre accord. Fait que déjà de voir... Fait que de voir déjà, c'est cette même gamme-là sur deux points. Deux fondamentales ici. Basse sixième, basse cinquième. Super intéressant pour faire des connexions. Puis ensuite, vous allez chercher vos autres inversions pour la connexion jusqu'à votre première ou vice-versa, de la première à la quatrième. Fait que l'idée, puis vous allez voir tout de suite qu'en quatrième position, il y a beaucoup, beaucoup... de lick de guitare qui vient de là, même en première, c'est certain. Mais je veux dire, en basse cinquième, on pense à des... ou des... ouais. Si on pense à David Gilmour, si on pense à plein de guitaristes country aussi, ou vice-versa. Donc, beaucoup de possibilités, ça va vous donner ce genre... de doigté là. Ensuite, on est rendu à la cinquième inversion. Donc, on est rendu sur la note Fa. Parce qu'on part toujours de nos cinq notes point de départ. Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa. Je vais chercher mon Fa. Mon Fa va être ici en 13e fret. Ça semble assez loin, mais finalement, vous allez voir que c'est facile à souvenir parce que notre Sol est juste à côté. Donc, on retrouve, c'est comme si on partirait d'ici, donc, Fa, Sol. On pourrait le faire à corde ouverte aussi, mais ce n'est pas le point qu'on discute ici, c'est vraiment... Donc, ça va me donner les mêmes notes, c'est certain. Donc, Fa... Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa, Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa, Sol. Fa. Voyez? Donc, Fa avec le doigté, dans le fond, je vais vous donner, ça fait 1, 3, Fa, Sol. 1, 3. Moi, je vais avec 1, 3 ici. 1, 3 encore. 1, 3. Si vous préférez, quand vous avez une distance de 4 frettes, vous pouvez le faire avec 1, 4, 1, 4. Même de pratiquer les deux, ça serait déjà une bonne chose pour être capable de, éventuellement, ça va arriver dans des solos, vous allez avoir différents patterns, dépendamment de ce qui vient avant ou ce qui vient après. Plus qu'on a de doigté, mieux c'est. Vous allez préparer à toute éventualité. Donc, c'est ce qui couvre notre gamme pentatonique sur les cinq inversions. Donc, je vous résume ça. Donc, on est parti de Sol mineur pentatonique, qui est composé de cinq notes. Donc, Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa. Là, on le voit sur deux octaves, dans une première position. On a fait, si vous voulez, la continuité de... la gamme pentatonique, à partir du Si bémol. En cinquième position. Après,
je suis parti du troisième point de départ, mon Do en huitième position. Mon quatrième point de départ, Ré. Et mon cinquième, Fa. Des heures de plaisir avec ça. Et avec une backing track, vous allez voir, c'est agréable. Donc, une track d'accompagnement. Vous allez voir, comme ça, vous allez pouvoir intégrer. Je vous propose de pratiquer, c'est sûr, au début, en noir, si vous pratiquez au métronome. Donc, comme dans les autres exercices que je vous proposais, vous commencez à 60. Ensuite, en croche. En triolet. Et vice versa, il y a tellement de patterns rythmiques qu'on peut aller chercher avec ça. L'idée, c'est d'apprendre premièrement vos doigtés. Ensuite, votre oreille va prendre le dessus. Vous allez entendre toutes les distances entre les sons. Puis, ben voilà. Donc, c'est ce qui couvre notre quatrième capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Comme je vous disais, en entrée de jeu, il va y avoir les doigtés de disponibles avec le lien avec tablature et notation musicale. Aussi, le lien pour la track d'accompagnement pour vous aider à répéter puis à avoir du plaisir tout en apprenant. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir de voir de nouveaux abonnés arriver. De partout, j'ai des commentaires d'un peu partout. Je vous salue d'ailleurs, mes nouveaux abonnés et mes anciens. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne répétition. Puis à bientôt pour une capsule numéro 5. Salut bien!